Moi, je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Je suis seul au monde. J'attends mon cadeau, ciel au monde. Parce que j'ai mon cadeau, je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Il est où mon cadeau? C'est ça qui va pour le chien, ça? Oui, bien sûr. Allez, tu manges quoi ce matin? Tu manges pas? Je peux pas croissant. Il y a encore le truc là, je pense que. Le poisson de. Il y a encore les croissants. Je vais manger quoi? Il faut faire du lait, non? Il faut quelque chose? Non. Je veux rien qui vient de vous, monsieur. Oui, je sais. C'est ça qui va faire des économies. Est-ce que les enfants se mangent le gombo? Les voisins mangent le gombo. Comme ça, on peut faire l'ombol. Il y a l'ombol. Un peu d'ombol et plomb. Je suis arrivé. C'est pas normal. Ben oui, je suis derrière elle. Nous, on veut le chèque. Le chèque de quoi? Chèque énergie. Elle est bonne. Elle est bonne et en plus, elle est bonne. Le chèque fuel. Toi, tu as eu quoi? Tu n'as pas eu le chèque, toi? Moi? Ou tu es aux astres? Tu n'as rien eu de l'État? Mais bien sûr que si, j'ai eu 360 euros. Tu as pour le charbon? Toi, tu as fait le fuel, là? Non, moi, je n'ai pas le fuel. Moi, j'ai rien. J'ai eu 360 euros gratuits. N'importe quoi. Il y a un truc qu'il faut remplir. Bah, il faut envoyer sur Internet. Oui, mais tu as présenté quoi? J'ai eu un chèque de 250, plus un chèque de combien? 250 plus. Ça fait à peu près de. Dernièrement, ici, je ne sais pas. Oui. Parce qu'il y a un qui est arrivé dans la fuel, machin, moi je me regarde la maison à l'extérieur, je suis pauvre. Il faut faire pauvre. Faites pauvre. Bah oui, l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Ça, c'est les bandits qui font ça, là. Comme ça, on a pitié qui n'a rien. Quand je vais partir avec mes 600 et quelques mille euros, là. Et quoi? Quand je vais partir avec mon argent. Ah. La première des choses, je vais faire une enveloppe à. À Anita et à moi. José. Non, à José. À José. Non, toi, tu as ton homme. Ah bon? Anita. Non, tu me donnes rien. Qui est à côté de moi? On va avoir Anita là-bas. Avant qu'elle trouve un homme d'ici là. Si elle trouve un homme, elle n'a rien. Ah bon? Ah bah oui. Anita. J'attends. Moi qui te soutiens, alors tu m'en es quoi? Il dit qu'il t'entretient parce que tu n'as pas d'homme. Oh, c'est mignon. Et bébé, lis-toi alors. Non. Comme ça que vous êtes. Comment j'aurais touché mon argent? J'ai fait une petite enveloppe. Si elle me donne son adresse, si je vais à l'adresse, je vais faire. Et moi, donc, on était nous tous à la banque. Ton homme, toi, tu fais une autre. Mais on est tous à la banque. Tu as ton homme. Tu as ton homme. Faites des enveloppes là-bas. Dieu va vous voir. Tu as ton homme. Moi, je suis célibataire, je fais son homme. Je veux pas que ton homme vienne me frapper parce que je t'ai fait. Voilà. À cause de quoi t'as fait un chèque à ma femme? Voilà. Hey, les histoires de couple, moi, j'en veux pas. Est ton problème. Bonjour tout le monde. Je sais que c'est le matin, maman. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé un peu. Hier, on m'a identifié. Hier, on m'a identifié. C'est deux choses. Un poste, un direct. Excusez-moi, maman, je suis fatigué. Viens me réveiller. Et on m'a identifié. Soit disant, oh, tu me parles pas comme ça. Respecte-moi. Vrai, c'est qu'on dit souvent que on va tous à l'école là, mais on n'a pas tous la même compréhension de textes et autres. Le professeur peut expliquer quelque chose. Toi, tu comprends l'autre, l'autre comprend bien. C'est vrai. Parce que pourtant, mes directs sont toujours clairs. Mes directs ne sont pas compliqués avec les mots bizarres. Les gens sont tout clairs parce que j'assume ce que je dis. Mais malgré la clarté des choses, il y a des personnes qui ont toujours du mal à comprendre. On peut être à gauche comme ça. Ngo, si tu ne connais pas mon nom, ne prononce plus mon nom. Minalmi. Ngo, si tu ne connais plus mon nom, ne prononce pas mon nom. Bonjour Raphaël.
Si tu ne connais pas mon nom, ne prononce pas mon nom. Il faut prononcer si, si, si. Minal, mais c'est toi qui me mets la connexion. Ou c'est toi qui me donne la parole de parler. Ou c'est toi qui ne sais pas quoi. Moi, je ne vais pas cracher avec toi, ma chérie. Moi, je ne vais pas cracher avec toi. Mais quand on va à l'école, il faut écouter ce que le professeur dit. N'écoute pas ce que ta tête te dit d'écouter. Tu dis que je parle au côté du compresseur. Mais Dieu, tu n'as rien compris alors de tout. Malgré ça, mais même les femmes qui te supportent, comme les tatas Nahabapa, sont venues ce jour dans ce direct-là. Eh Seigneur. Ou alors comme du Kambindo, du Kamahindi. Le plus sale, le gars le plus sale de la toile du Kamer. Peut-être il t'a appelé Bagba pour te manipuler. Tu es aussi venu là. Oh, ne prononce plus mon nom. Ma chérie, tu es sûr que si tu me vois en face, tu peux me parler comme ça. Vous aimez souvent entendre parler que oh, on dénigre les gens dans les réseaux sociaux. Oh, dents cassées. La dent coûte combien en bain pour remplacer? C'est à partir de 700 euros en montant. Si j'avais un complexe de ça, ce ne sera pas là. Vous n'allez pas, comment on appelle, me connaître comme ça. Vous êtes tellement... En tout cas, je drink ma chose. La bonne Dieu. Mais Dieu, le blanc peut manger comme ça en bain. Seigneur. Et tout ça à la télé. Why? Tu fais ce que tu veux. Je ne peux plus aller, moi. Il y a une femme mal baisée qui vient me dire que je peux être. Maman, voilà les faux profils des abeilles. Véronica Max. Seigneur, on peut détester quelqu'un jusqu'à ce qu'on ait sa page comme ça. En premier rang. Waouh, Seigneur. Soit disant, je suis cachée, elle ne va pas me voir. Véronica Mas, regarde votre vidéo. Waouh, Seigneur. Il y a une femme mal baisée là qui vient dire que je suis pas chez moi, mais j'écris. Merde. Il y a vraiment des femmes foncièrement méchantes sur la toile et jalouses par leur incapacité. Elles sont incapables d'aller dans une grosse maison de tonton Luc comme ça, la crier. Qui va les amener dans le genre de grosse maison si crier comme ça? L'incapacité, c'est la jalousie. Oh, je suis en ton trou à rats, ou bien je suis en colocation avec toi ou en sous-location. Bon appétit. Maintenant qu'on a fait la fête. Tu m'envoies un WhatsApp. Mon WhatsApp est sur ma page. Il est bien vert. En ce moment, je ne suis pas en train de répondre trop. Parce que je profite quand même de mes vacances. Et une fois que je suis chez moi, je réponds au truc. Et sur ma page. Oh, tu supportes ta soeur. Oh, oh, ma grande soeur, la battante guerrière et quand Élise, ça c'est la page d'Élise. Allez soutenir la page là. Allez vous abonner, vous qui n'aimez pas le bizarre sur la toile. Moi, j'ai pas vraiment. Ce soutien vivant. Ça fait deux semaines que je travaille. Un jour. Oui, il est parti avec. Tu es jaloux, baby. Ça, vous les gens qui mettez les. Vous mettez les gens le poison au pays. Parce que dès que quelqu'un vient seulement, il ouvre le porte, mais vous ne savez pas si c'est les vrais billets ou les faux billets. Pourquoi ça dit que oh, tu vas mourir avec ton argent. Je vais mourir avec mes maisons. Elle te fait mal où? Wanda, hein? Elle te fait mal où si j'ai les maisons? La jalousie, votre incapacité, montez la jalousie en vous. De manger tout de suite, ça n'existe pas chez nous. Faut manger une tête. Tu n'entends rien de ce que tu dis, tu disais quoi? Il dit qu'il faut manger. Non, mais manger au lieu de. Obligatoire, mais vraiment de doux. Rappelle ça. Raphaël, moi aussi je t'aime trop. Moi j'aime toutes les personnes vraies, pas les personnes hypocrites là, pas les cogneurs de tête. Donc, les abeilles. Donc ça vous énerve aussi quand. Descends, je te dis. Descends! Elle insiste en plus. Va regarder ta télé là-bas.
pas. Oui, câlin, je te fais un câlin ici. C'est bon. Je vais regarder. Seigneur, vous voulez sortir là. Père là. Tu ne peux pas perdre l'eau. Elle est partie. Mini-Pel. Mini-Pel, on te dit bonjour. Non. Parce que. Oh, ne me parle plus comme ça. Ne me parle plus comme ça. Mamie, si elle te parle comme ça, tu bois le feu. Je ne suis pas obligé de t'appeler par ton prénom. Ou je ne suis pas obligé de t'appeler par tes petits surnoms qu'on t'a donné. Je ne le fais pas quand tu demandes. Je le fais quand je veux. Et alors, si je veux dire que la fille du Cameroun, je le dis. Et je redis la fille du Cameroun. Hein? Toi, mais tu dis souvent que ça ne boue pas. Et tu veux que ça boue chez moi. Ça ne va pas bouillir. Va voir du Kamahindi, il va encore bien te manipuler, ma chérie. Au contraire, nous, on donne même la bénédiction. Que si le compétent veut, elle meurt. Si tu donnes les lasses à ton gars, il doit tout massa. Et s'il peut mettre l'enfant, il met l'enfant. Comme ça, Ngo, ça va d'aille. C'est comme ça. Du coup, il est parti, il ne va pas revenir. Ah oui. Juste, j'ai même dit même que ce sont les filles-là qui t'ont mis dehors. Comment, hein? La compréhension des têtes, c'est un problème. Ça prouve combien de fois il y a beaucoup qui allaient à l'école. Mais juste pour remplir les salles de classe. Mais pas pour écouter les leçons. Parce que si tu pars à l'école pour écouter les leçons, il y a des trucs que tu ne peux pas dire. On peut te supporter. Après, tu viens encore, tu clashes la personne, Seigneur. On peut te supporter. Tu viens encore clasher la personne. Merde. Alors, on te noie. Je vais te dire dans Bagdad. Po, 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 po. Tu as fini à l'Europe. Hein? Tu n'as pas fini à l'Europe. Parce que seulement ton écriture, non, baby. Ça pourrait quand même faire que tu n'es pas en Europe. Parce que c'est les gens du Cameroun qui raisonnent comme toi. Oh, tu as les papiers, non? Ne meurs plus. Oh, n'est-ce pas, tu es en Europe, ne meurs plus. C'est les gens du Cameroun qui s'expriment comme ça. Les gens qui sont en Europe, c'est ça qui connaissent la réalité. Ils ont leur mot, vendeuse de piments. C'est ça leur mot. Vendeuse de piments, vendeuse de pépé. Donc, on connaît les mots quand tu vis au pays, quand tu vis en Europe. Seigneur Raphaël, la compréhension du test. Coucou, mon petit frère. Mon petit frère, oh, c'est comment mon petit frère? La convalescence, ça va. Raphaël, c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre les leçons. Les leçons. Des fois, quand vous donne la dissertation comme ça là, à l'école, c'est chacun qui ramène sa part. D'autres même sont carrément hors sujet. C'est pour ça qu'il y avait des professeurs que j'aimais bien, ils mettaient comme ça, croix rouge, ils l'écrit hors sujet. Parce que la personne sort carrément du contexte, du truc, pour aller pondre sa part de choses qui n'ont rien. Vous parlez dans le jacuzzi. Pourquoi? Tes enfants ont toujours été ici, là. Bami, mais toi, tu n'as jamais été ici, laisse. Il me semble que je t'en ai parlé hier. Mais là, tu dis que tu es au village. Tu es au village là-bas, tu vis où? Sur les champs. Tu vis sur les arbres. C'est pas Alain Fouda, bonjour. Bonjour, Ambolo. Aya. Le Vinkiri. Moi, Orange, je savais que tu t'es limité là-bas. Je savais que tu t'es limité au Maghreb. Mon cher ami, je ne connais même pas Oran, jamais été à Oran. J'aimerais bien pourtant aller. Parce qu'il y a une très grosse communauté noire là-bas. Il faudrait aussi que j'aille un peu. C'est difficile, mon petit frère. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Ils comprennent que. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont les bouchons dans les oreilles. Vous ne les voyez pas maquiller la machin là. Ils sont du mal. Allez un peu voir les, comment on appelle les oreilles là. Pour nettoyer un peu vos oreilles. Et vous donnez le truc là que vous allez. Ça va couler. Le cire de l'œil de l'oreille là va couler parce que. Ok, Alain Fouda.
Je ne connais pas Raphaël, je ne connais pas ce qu'il faut faire. Je te jure, Alexandre, mon petit. C'est un Cameroun. Tu expliques un truc clairement. Pourtant, moi, mes directs ne sont pas déjà des directs compliqués que tu vas commencer à trouver les mots, les petits thèmes codés là. Moi, je parle moi que clair. Que clair, tout le monde voit. Mais malgré que tu parles clairement, il y a quand même ceux qui arrivent à comprendre un genre. Langa, ouvre le direct hier. Avant, ça va me faire un post. Comment était moi là, mes jeunes, maman? On a vu ici là jusqu'à. Hé, mon beau. Oui. Mon seul beau blanc en Europe. Hé! Mon beau blanc, mon beau blanc. Et de jure, non, il y a quand on buvait ici là. Mon beau nous tient la fête ici là tous les jours. Je ne savais pas que ma soeur du Cameroun, là, elle n'aime pas qu'elle appelle que ma soeur du Cameroun. Mais tu es au Cameroun, ma chère. Tu vas être en vain. Pas parce que tu mets les connaissances pour parler des choses de l'Europe. Tu n'es pas en Europe. Tu es au Cameroun. Accepte que tu es au Cameroun, ce n'est pas une injure. Hein? Moi, si je pouvais être au Cameroun tous les mois, je serais contente. Hein? Mais avec les enfants, tu ne peux pas partir comme ça tout le temps. Mais le Cameroun, ce n'est pas le dernier des pays. Hein? Ce n'est pas parce que tu parles avec certaines personnes en Bengue, te donne la valeur que tu crois que tu es un Benguiste. Tu n'es pas un Benguiste, tu es au Cameroun, ma chérie. Mais je ne veux pas te clasher. Moi, je ne veux pas clasher avec toi. Je ne veux pas clasher. Ce n'est pas que tu me dépasses à clasher, mais je ne veux pas clasher avec toi. Je ne veux pas clasher avec toi. Et si même ma clash avec toi, il va appuyer tout ce que tu vas plus t'entendre. Je n'ai pas envie de clasher avec toi. Mmh. Bertrand Chic, Saumon. Quand dirait. Comme tu viens, tu guettes seulement. Après, tu vas aller décortiquer que. Père de luxe, vraiment. Père de luxe, avec ton chien là. Tu as ta chance que ton chien n'est pas à côté de moi. Allez le tuer, le manger dans le bongo. Donc, parce que là, tu as vu comme je dansais là, tu es venu dans mon direct là, tu as dit que j'ai un peu prononcé ton nom, tu as pris la confiance quoi. Ne prononce plus jamais la fille au Cameroun là. Tu as prononcé que la fille de l'Europe là, tu es en Europe. Maman, les méga là vous trompent souvent. Hein. Tu es en Europe. Les méga là vous trompent souvent. Vrai. À cause des méga là, on se mélange nous tous, ceux de l'Europe, ceux de l'Afrique et tout ça là, jusqu'à vous croyez que on ne sera jamais, on était au Cameroun avant, maintenant on n'est plus au Cameroun, de temps en temps on part, on revient. Mais toi tu n'es pas quoi en Beng, tu as causé des choses jusqu'à tu pars, on part qui hein? Je viens de supporter même, c'est-à-dire, il y a des gens vraiment qui, c'est-à-dire tous les supporters de Port de Lille ont la même compréhension des tests. Donc, à gauche. Quand tu vas parler ceci, ils vont te dire comme ça là. Quand Paul de Lille insulte les gens, elles vont te dire que oui. Non, quand elle t'insulte, oh, on va refaire ci, oh, on va refaire ça. Et quand toi, tu vas dire que Paul de Lille a refait ceci, oui, mais est-ce que c'est refait qu'il veut, c'est refait qu'il peut. Tous les gens qui supportaient Paul de Lille là, ils sont à la tête, toujours à gauche. Ma soeur du Cameroun. Tu dis que c'est pas Paul de lui qui t'a donné papa Achille Dicolo. Si ce n'est pas Paul de lui, tu allais le connaître où? Si ce n'est pas Paul de Lille, tu allais le connaître où? Tu allais le connaître où tu mets les ongles en bopi. Non, mais sérieux. Et pas parce qu'elle dit que Paul de Lille, que vous croyez que c'est faire quelque chose qui est bien. Je ne vais pas dire qu'elle a fait quelque chose qui est bien. C'est elle qui t'a présenté le gars. Si ce n'est pas Paul de lui, tu allais le connaître où? Eh, hey, ma soeur. Là, il faut que tu nous cherches beaucoup l'argent. Viens, il faut que tu cherches beaucoup l'argent. Notre maison, là, doit finir. Comme ça, là, on a parti vacances. Non. Comment ça va? Tu es au travail ou tu es à vacances, bébé? Non, vrai. En télé, bien calé. Vous dites que c'est fort qui m'a donné. C'est elle qui t'a donné, mamie, ma soeur du Cameroun. C'est elle qui t'a donné. Accepte. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je ne veux pas te clasher. Je ne te clash pas, mamie. Je laisse le clash à ton ami le plus sale de la toile avec les dents jaunes. Fais comme ça. Fais comme ça, on voit. Un gars qui pue de la bouche du camé. Un gars qui pue de la bouche. Dès qu'il dit, père de luxe,
Quand il dit père de Lys, tellement la nuit s'est ouverte qu'elle tout sort là-bas en bas. Après, il nettoie après le direct. Mais le frère, c'est clair, mon petit frère. C'est que même les gens qui étaient hier dans le direct là, non. Pourtant, d'habitude, il y a des gens. Que dès qu'on parle seulement de pelle, non, ils viennent seulement me laver qu'elle. Mais là-bas, dans son direct, personne ne m'a lavé parce que tout le monde a compris qu'elle était à gauche. Elle était à gauche du truc. Elle n'a rien compris. Assis ma singue, ton lambeau. Elle n'a rien compris. Ton lambeau. C'est ma singue. Ne me prononce plus comme ça là. Je me prononce, eh Seigneur. Donc vraiment, eh Seigneur. Comme tout le monde insulte la petite pelle. La petite pelle, ton Dieu en télébia, la petite pelle. La belle Mundumbu, hein. Ma soeur du Cameroun, j'ai la bouche, hein. Mais moi, je ne veux pas te clasher, pardon, tu ne m'as rien fait. Tout ce que je veux, c'est que tu te maries. Et que, comment on appelle ça? Qu'on puisse comprendre que la vie ne tourne pas tout autour d'elle. Si tu peux donner le bonheur à Achille, donne-lui le bonheur, mais sois un bonheur vrai. Faudrait pas que quand il va t'amener en Bengzi, tu vas quitter pour aller chez Siwe. On vous connaît. Après, tu vas dire que non, il y a mon frère. Et comment on l'appelle? Il y a mon frère. On m'a dit que tu es où? C'est de Baham. Il y a mon frère quelque part là-bas. Il m'a même marié. Alors que c'est du colo qui t'amène en France. Donc, comme vous allez vous marier là, sois vraiment amoureuse que le meilleur et le pire. Ne sois pas seulement amoureuse pour venir en Beng. Parce que c'est ma après, vous restez seulement que j'ai un enfant à 20 doigts là. Hein. C'est toujours l'enfant, mais il n'y a jamais le mari. On vous connaît. Alors, tu vas venir ici là. Tu vas voir que Achille n'est pas dans les réunions de 5000 euros l'année. Tu vas commencer à le fuir. Ça va créer que, oh, il me tape. Oh, il ne donne rien à l'enfant. Oh, il est monté, il est descendu. Oh, je l'ai croisé avec un compresseur. Oh, il a une nouvelle gare à tel endroit. On vous connaît. Parce que l'amour, là, souvent, là, c'est souvent trop. Quand il faut venir ici, là. Mais sinon, tu mérites de venir ici. Tu dois vivre à côté de ton amoureux. Comme ça, vous faites un beau bébé. Avec tes lèvres charnues. Parce que moi, je dis que tu as les lèvres charnues. Par contre, la bande de comment on appelle la bande de tes dictateurs disent que tu as les lèvres lipues. Mais moi, je dis que tu as les lèvres charnues. Les lèvres d'Angelina Jolie. Les lèvres de rouge à lèvres. Comme tu dis que moi, je te dénigre. Ma petite, même pas ma petite, parce que faut penser que j'appelle tous les gens aussi ma petite là. Ma soeur du Cameroun. Tu as dit que je dois t'appeler ma soeur du Cameroun. Je t'appelle comme ça. Ceux qui t'appellent que les autres noms là, pourquoi tu ne peux pas les interdire? Parce que tu sais quoi? La visibilité n'est rien, ma chérie. Ça ne donne pas l'argent. Vraiment, avec la France là qui est déjà, elle est kaoulou comme tout. Tu as raison, mais mon petit. Tu as raison. Ramenez même les gens comme ça, mais comme on ne sait jamais, chacun a sa chance. Ça peut sourire de son côté. Welcome. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si je vais t'appeler ma fille, du mon frère, devant le temps, tu as dit que les vues, c'est rien. Peut-être ça t'a énervé que j'ai dit que la fille du Cameroun, parce que les gens ne vont pas aller chercher la fille du Cameroun. Mais est-ce que j'ai pris le genre de nom là loin? C'est Paul de Lille qui a toujours appelé les gens avec les noms bizarres. Alors pourquoi quand j'appelle sa team, tu fais partie de sa team et tu as toujours fait partie de sa team? Pourquoi ça va te déranger? Si je vais prononcer ton nom, je prononce ton nom. Hein, et comme il y a notre frère là, celui qui était là tout à l'heure là, Bertrand Chic, quand tu regardes sa page, il a 14 000 abonnés. Mais quand il est en direct, il n'y a personne. Hein? Mais moi je prononce ses noms, j'en ai rien à foutre. Du Kamahindi là, du Kamé le plus sale gars de la toile, a dit que moi, que oh, mes pages ne sont pas monétisées. J'ai la monétisation, comment on appelle? J'ai la proposition de monétisation depuis très longtemps sur les deux pages. C'est moi qui ne veux pas mettre. Malgré que je n'ai pas encore mis cette page-ci, je pense qu'il y a des directs. On vous propose les étoiles.
Chez la maman, on voit les étoiles l'autre jour. Il y a aussi Notre-Dame, elle m'envoie. Les gens m'envoient les étoiles. Mais je ne peux pas décaisser l'argent parce que je n'ai pas encore mis ma vie, mon avis d'imposition, mon RIB. Du Kamahindi, le gars qui a toujours faim. Oh la maison, oh la maison, oh la maison qui est hantée, la maison qui n'est jamais. Depuis qu'il a commencé à construire ça, ce n'est jamais fini. Il parle dans les chambres au pays où, pour pisser, il faut sortir la nuit dehors. Il vient parler sur Facebook. Il y a la maison. Il y a la maison. Tu sais ce qu'on appelle la maison? La maison, c'est quand on habite dedans. Pas des trucs semi-produits, semi-finis, là. Après quelques années, tu vas mettre ça en vente. Un niche troué. Un aristocrate. Maka, là. Un gars que la Starmania a refusé. Il ne veut pas aussi laisser que la Starmania l'a refusé. Il a bagarré avec les extracteurs de fleurs. Il a été dans la team. Il a été abeille. Il a été même ami de compresseur. Il a été. Mais la Starmania a refusé. Il est même allé faire les amis avec les gars de la basse. Il est revenu chez les patriotes. Il a dit qu'il va chanter. Il a dit que le seul endroit où du Camer a un peu de la valeur où il a mis long que ça a un peu donné. Ce n'est que la NGP. Ce n'est que la NGP. Et il a mis long là-bas parce qu'il est bête. C'est seulement son argent qu'on prend. Ce n'est que la NGP que Ducamé a fait. On a vu, ça a mis long. Ducamé peut aller où? Ducamé peut faire quoi? Il a quelle carrure? Voilà la taille de Ducamé. Un verre. Voilà la taille de Ducamé comme ça. Un verre. Un gars que père de lui, ça a appris à aller au travail. Ducamé, c'est moi qui t'ai appris que cherche-toi un travail pour pouvoir avoir un logement, pour quitter sur les, dans les caves des gens. C'est moi qui t'ai appris ça, petit Périca. Il n'y a pas une honte à ça, il y a toujours un début à tout. C'est moi qui t'ai dit que quand il est resté en colocation, tu es en colocation là-bas, en sous-location là-bas dans les caves des gens, trouve-toi un boulot, forme-toi. Tu allais te former pour monter les meubles en 2020. Ducamé, c'est moi qui t'ai lancé le défi. Et tu as défié aujourd'hui. Tu es un homme, tu peux parler même du travail. Un homme qui passait autant à faire le Congo sans croire que c'est ça le travail. De temps en temps, il peut donner la nuit à Châtelet. Ducamé, tu peux même parler. Ducamé, je n'étais même pas encore en France. Mais je m'étais tapé les pumas sur moi. Toi, tu as eu besoin de l'Europe. Malgré que tu es en Europe, tes habits sont toujours bizarres sur toi. Quand tu mets la veste, on dirait que tu as ramassé ça là-bas. Derrière le lit, c'était tombé par terre là-bas. Les gens veulent parler, toi aussi tu veux parler. Allez, les gars qui puent de la bouche, dis donc. Vous voyez les pieds de Ducamé, les pieds blancs, avec toutes les crèmes qu'il y a en Europe. Tu sais pas qu'un homme, tu sais pas que nous les noirs on a la peau sèche. Il faut toujours l'engraisser. Tu sais pas ça. Tu sais pas que quand le noir se lave, il doit mettre la crème sur lui parce que nos peaux ne respirent pas. Hein? Saleté. Et que les filles du pays que tu peux aller embrouiller. Et tu les embrouilles pas parce que tu es beau. Hein? Tu les embrouilles parce qu'ils attendent qu'un Mbengis. Parce que nous tous aussi avant, c'était qu'on aimait bien les Mbengis. Voilà, c'est pour ça que tu arrives à avoir un gars au pays. Parce que si c'est pas ce titre de Mbengis, quel langage qui peut te regarder? Un sale gars comme toi, mon frère, un Mbengis qui mange à même le sol. Même pas dire que non, mettez même sur un banc. Il mange à même le sol, il vient parler parce qu'il y a les réseaux sociaux. Avec 100 000 abonnés, mais quand il est en direct, il n'y a que 28 personnes qui le regardent. Espèce d'abruti de service. Regardez là-bas un peu. S'il y a les watts en face qui sont sans caleçon. Comme ça, il veut un peu nier les fesses. Oh Seigneur. Ah non, il n'y a pas là. Dis donc. Banja, banja, banjaba. Il m'a dit que c'est ça, c'est ça. Un peureux. Je me suis renseigné. La prochaine fois, je vais t'amener une vidéo que je suis dans ton village du Camer.
Je me suis renseigné sur toi. Du Kamé n'a aucun sang bamléké. Du Kamé, tous ses voisins sont les bamlékés. Du Kamé prend position comme ça parce qu'il a peur de la récupération dans le village. Du Kamé, la prochaine fois, je vais me filmer dans ton village à Moningolais. Ça va, tu vas comprendre que nous tous, on peut être des dangereux comme ce que tu as peur là dans les réseaux sociaux. Du Kamé, tu ne connais pas les familles des gens. Tu ne connais pas où les gens. Donc, tu ne sais pas les fusions de sang des gens dans le corps. Quand vous êtes dans Facebook, là, même les Bamlékés, là, vous ne connaissez pas les mélanges des gens. Vous ne connaissez pas les mélanges des familles. Vous ne connaissez pas les provenances des grands-mères, des grands-pères des gens. Donc, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous insultez les gens, là. Attention. Attention. Je suis seul sur ma toile. Je n'avais jamais vu présenter personne. Je n'avais jamais dit que ça, c'est mon frère, ça, c'est ma soeur. Je suis seul. Mais au calme. Du Kamé. Du Kamé n'a aucun sang bamléqué dans son sang. Du Kamé, tous ses voisins sont des bamléqués. C'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il est vénère. Mais la prochaine fois, le jour que je vais décider du Kamé, tu vas voir ta tante parler en direct comme ça, là, dans mon direct parlant. Moi, je suis partout. Hein. Du Bombardi. Comment on appelle ça? Abo. Je suis partout. Vous ne connaissez pas les sangs des gens mélangés. Moi, je vous ai toujours dit que je suis métisse. Je suis métisse. Des dialectes camerounais. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas. Dans ma chérie du Cameroun, ma soeur du Cameroun, tu n'es pas encore Bengis. Il ne faut pas que... Je ne mange jamais mon petit. Je ne mange jamais mon petit. Moi, je ne mange jamais. Ouais, Rosa dit que... Que père ne mange jamais. Même mon beau aussi, en maison, tu sais. Hein? Que père ne mange jamais. Hein? Et c'est qu'il allait où? Ah, peut-être il allait promener les chiens. Il a dit qu'il allait promener les chiens. Oui, Chris, Lida. Il suce parce que tous les voisins, la maison de Ducamé au milieu, comme ça, tout autour, c'est les Bamlékés. Tout autour des maisons de Ducamé, c'est les Bamlékés. Il a peur. Il a peur. C'est un peureux. C'est un peureux. Et il sait qu'ici, là, ben, physiquement, les gars, là, les affrontent. Ils n'ont pas de limite en disant non, c'est un Camerounais comme nous. Il affronte. Oui. Donc, ma chérie, comme il sait que vous faites des choses dans les teams back, que oh, l'autre appelle, que dit comme ça, appelle, elle va venir te clasher. Dit comme ça, appelle, il ne déclenche pas. Mamie? Gère d'abord ton réseau de Mbeng. Maintenant, quand tu vas arriver en Mbeng, maintenant, on va parler les vraies choses de Mbeng. Et pas clasher quelqu'un qui est au Cameroun, qu'il n'a rien à faire en Mbeng, mon frère. Ah. Il n'a rien à faire en Mbeng. Il y a beaucoup à faire en Mbeng. Il va perdre ce temps. Mais, tu n'as rien compris du direct. T'as un problème auditif. Oui. Un problème auditif. Il faut aller voir un oreille. Parce que j'arrive pas à comprendre comment. Ou alors on a mis. Tu as pris juste la page qui t'arrange. Pour faire écouter. Mais j'ai lu un peu les commentaires de ton direct. Beaucoup ne sont même pas d'accord avec toi parce que personne ne m'a presque pas insulté. À part une haineuse. Il y avait une haineuse là-bas, Bamléké. C'est elle qui est venue dire que si tu as une femme encore, parle ici. Seigneur, comme si je veux parler là-bas, c'est la même bas. Même, si je veux même parler, Dieu. Facebook, donne soit le courage, jamais. Comme si je veux même parler au direct. C'est la pourra même me dire que ne parle plus. Moi, je ne connais pas dénigrer les gens, ma chérie. Je dénigre. Quand tu me vois dénigrer quelqu'un de toutes mes forces, c'est que cette personne m'a dénigré en premier. Je ne connais pas dénigrer les gens.
J'ai aucun profit à te dénigrer. Tu es une jeune fille, tu te cherches. Tu te cherches. Si ça ne donne pas, ça n'a pas donné apparemment avec la fille de Madame Guy, le fils de Madame Guylaine Chapuis. Si ça peut donner avec Achille Dicolo, tant mieux. Si ça ne donne pas avec Achille Dicolo, les portes ne se ferment pas, tu continues. Tu es une jeune fille. Hein? Votre team là, ça connaît seulement reproduire la haine. À part la haine, les abeilles ne savent reproduire rien d'autre. Et ils reproduisent que la haine. La haine, la haine, la haine. Les gens que la nature a refusé l'amour. Ils veulent amener les haines là partout. Nous ne sommes pas, les victimes de votre haine, de votre manque d'amour. Hein. Attention. Attention. Oh, tu parles à la porte, Denis ne va jamais te répondre. Seigneur. C'est la même façon que même la fille du Cameroun là me clashait hier. Enja. Oh. Elle parle Enja. Exactement comme Port de Lille. Port de Lille te clash. Mais après, on dit que non, elle t'a rien dit. Vous allez faire ça qui à moi. Hein? Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. C'est la même façon. Un Port de Lille, quand elle me rappelle quand elle avait soutenu ses produits, quand Anango nettoyait les choses. Après, ça n'a pas empêché que celle-là vienne, c'est ma bongo. Et son visage comme un gigot de porc. Pour venir parler jusqu'à parler de mes parents. Vous avez le courage, hein? Vous avez vraiment le courage. Mais vous avez la chance dans les réseaux sociaux que moi j'ai dit que. Tu as beau m'insulter, mais je n'insultais pas les mamans des gens. Parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter les mamans des gens. Mais une maman vient m'insulter. Donc si un enfant. Si une fille m'insulte sur les réseaux sociaux, insulter ma mère. Je ne vais pas l'insulter sa mère. Je vais la nettoyer elle-même. Mais si une maman elle-même vient m'insulter à les réseaux sociaux, je l'insulte. Parce qu'elle n'est plus en catégorie de maman, elle est en catégorie de jeune fille. Alors on va jouer sa football. Mais après seulement, n'allez pas. Il faut aller les fauteuils des gens, aller mettre chez les marabouts. Mais c'est vrai, non, la machine. Pourquoi tu dis, eh? C'est vrai, c'est un succès de bite des mamies. Tu vas nous interdire de dire ça. Tu vas nous interdire de dire ça. Parce que quand tu dis que, comme il dit qu'il est modérateur, c'est pas ça un modérateur. Un modérateur n'est pas autant à insulter les quoi et protéger les autres. C'est pas un modérateur, c'est un succès de bite. Donc, c'est clair que Mbida puisse te dire ça. Hein, la machine. Toi et ta machine là. Tu fabriques quoi le pain? Pardon. C'est ça. N'aimez pas les vérités dans les réseaux sociaux. Vous voulez rendre les réseaux sociaux des Camerounais comme un ring de comment on appelle ça? Un ring de rendement de compte. Alors que les autres pays mangent l'argent derrière. Pourquoi on n'avance pas? Parce que les autres veulent écraser les autres. Ils veulent que quand vous venez aux réseaux sociaux, vous devez être derrière eux. C'est eux qui doivent mener. Vous pouvez mener quoi? Vous payez la facture de qui dans les réseaux sociaux? Vous nourrissez qui? Déjà vos propres factures, ça prouve combien de fois vous n'arrivez pas à les payer. C'est pour ça que vous sautez de maison en maison, vous déménagez partout comme les petits oiseaux qui cherchent les nids. Et c'est vous qui voulez commander les gens. Non? Non, il dit ce qu'il pense dans la machine. Et pourquoi moi, quand il dit ce que je pense, ça t'énerve? Il dit ce qu'il pense d'un coup, non? Et pourquoi quand moi, il dit ce que je pense des Américains, ça t'énerve? Arrêtez l'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, parce que comme ça vous arrange ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Mais quand moi aussi, je dis ce que je pense, c'est que, oh, elle est tribaliste. Arrêtez ça. Et même Guy Bida, là, qui vient de parler, là, lui aussi, il dit ce qu'il pense. Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Ça va pas t'énerver? C'est ça. Oui. Mais tu le prends. Toi, mais tu dis que je suis en train de dire ce que je pense des autres. Effectivement, mais tu ne le prends pas bien. Tu ne le prends pas bien, la machine. Tu ne le prends pas bien. Tu es un frère bamiléké, tu ne le prends pas bien.
J'ai lu quand même de certains de tes commentaires dans les réseaux sociaux, sur mes pages-là. Tu ne le prends pas bien. Le fait que l'on dise souvent qu'il est bamiléké, ça te fait mal. Pourtant, tu es bamiléké, tu n'es pas bassa. Bonjour, Josiane, c'est comment? Comment vont les enfants? Je t'ai dit. Du Kamahindi, un gars qui est sale, le plus sale gars, il porte un caleçon. Avant, à l'époque, là, il avait un caleçon. Ou c'est IDEM, ou c'est quoi? DM, ou c'est DM. Il y a une marque là. Parce que, comment je connais ça? C'est parce que quand il met le pantalon, ça descend souvent. Et vous savez que sur le Bermuda, on met toujours les marques. C'est comme ça que. Il a porté ça pendant une semaine en venant à l'association. Pendant une semaine, du Kamahindi avec ses fesses. Parce que ce sont ces tribus-là qui m'insultent. Est-ce que vous avez entendu les bêtises m'insulter? Est-ce que les bassins m'insultent? Est-ce que les doigts-là m'insultent? Hein? Est-ce que je ne sais même pas, les yambas, ça m'insulte? C'est les bamiléké qui m'insultent, mon frère. Tu veux que je dise quoi? Que je dise les Camerounais, comme ça vous arrange. Quand ça vous arrange, on doit dire que les Camerounais. Comme ça vous arrange, on va dire que les Camerounais. Les deux commentaires qui m'ont mal parlé, il y a au direct de la fille du Cameroun, là. C'est les Bamiléké. Ah oui? Tu veux qu'elle dise quoi? Qu'elle dise que les Bassa arrêtés, ou les Camerounais. Parce que vous, quand c'est-à-dire les Camerounais sont devenus que, quand quelque chose est mauvais, c'est que, waouh, les Camerounais. Non. Pas waouh, les Camerounais. C'est pas tous les Camerounais qui sont dans la salubrité. C'est la minorité. Comme les gens qui font les frélatés au pays, là. C'est pas tous les Bamiléké qui font les frélatés. C'est la minorité. Mais comme c'est plus de deux, on dit les. Sauf si c'est moi qui ne sais pas parler français. Ah oui, Josiane. C'est sûr que c'est eux qui nous insultent. Oui. Parce qu'avant, vous étiez dans vos vrais noms. Avant, tu ne t'appelais pas la machine. Avant, tu mettais ton vrai nom pour que ta famille puisse te retrouver. C'est depuis que vous avez commencé les injures que vous avez commencé à mettre les faux profils. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez qu'on vous appelle comme ça pour rien parce que tu crois que tu peux venir avec la machine partout là, on commence à dire que Bamiléké pour rien. Non. C'est parce qu'avant vous avez de vos vrais noms. Et parmi vous, il y a encore d'autres qui ont même encore leurs vrais noms. Donc ils insultent, oh, ils n'ont pas peur. Ah oui? Non. Nous tous on fait pareil, Angéline. Mais il y a un commencement à tout. Ça a bien eu un début. On ne peut pas se lever, commencer à le faire comme ça d'un bon jour. Sachant que dans la famille, on a un peu de tout. Alors si les gens commencent à faire certaines choses, il y a eu un début. Et quand, parfois, j'entends souvent le frère qui dit que demandez les excuses. Mais vous ne vous gênez jamais. Jamais vous avez demandé des excuses à qui que ce soit depuis que les gens ont commencé à insulter les autres là. Jamais. Mais vous demandez aux autres de demander des excuses. Oh, merci Raphaël. Non, mais franchement, disons-nous la vérité. Moi, j'ai aucun problème avec un Bamiléké. Je pense qu'il va s'en occuper, manger sa kehora. Il va me faire quoi? Il va se mettre à m'attendre là-bas dans Facebook pour m'insulter. Il va me faire quoi? Et prends, c'est quoi son aller? Prends! Elle n'a rien à foutre. Dites que c'est lui qui me nourrit. Elle n'a rien à foutre. Il va m'attendre au Facebook pour m'insulter. Nalmi. Nalmi. Vous qui aimez la suprématie comme ça, vous pouvez porter le nom d'une autre personne. Ce n'est pas votre nom. C'est même maintenant qu'avec les histoires de politique, les choses ont un peu changé. La machine arrête de raconter n'importe quoi, comme si en face de toi, tu avais des enfants. Tu n'as pas des enfants. Tu sais très bien que, comment on appelle, vous aimez bien parler la noblesse. Et puis vous aimez bien qu'on dit que oh, tu as vu l'hôtel là, non, c'est un bami qui a ça. Tu as vu la clinique là, non, c'est un bami qui a ça. Tu as vu la belle femme là, non, c'est un bami qui a ça. Tu as vu la fille first band, c'est un bami qui a ça. Vous aimez ce qu'on appelle la noblesse. Vous aimez ce qu'on appelle l'éloge. On doit vous donner les éloges. Alors, tu ne peux pas porter le nom d'une autre personne et on te donne les éloges. Non, mon frère. Non, non. Non, regarde même d'abord la toile. Regarde la toile. Il y a combien des autres? Il y a combien de bami? Il y a combien de bassins? Il y a combien de bami? De machin? De Yaoundé? Il y a beaucoup plus de bassins, de bami. Et puis, nous, on connaît depuis le Cameroun. Vous allez seulement où il y a vos frères.
Vous n'allez pas nous enlever ça d'un coup des oreilles parce que, bon, vous avez vu les réseaux sociaux, vous voulez blanchir ce qui est déjà là depuis. Non. Ah oui. Donc, quand vous demandez que les gens doivent vous demander les excuses, commencez déjà à reconnaître que c'est vous qui avez commencé à insulter les autres. Tu ne peux pas être avec ton ami tous les jours. Vous faites la réunion. Tu ramènes 200 euros, ton ami ramène 200 euros. Tu ramènes 500 euros, ton ami ramène 500 euros. Il y a un deuil, vous partez, vous cotisez pareil. Vous cotisez dans tous les trucs. Mais tu te lèves carrément. Tu insultes ton ami, tu le traites de fainéant, de vaurien. Sachant que l'argent qu'il ramène, ça ne sort pas de tes poches. Sachant que les projets que vous faites ensemble, ce n'est pas toi qui finance. Moi, je trouve que ça, c'est d'abord de la malhonnêteté. Vous ne devez pas vous permettre de faire ça. Alors pourquoi aujourd'hui, quand nous autres, on réplique sanguin, ça vous énerve? Ça ne doit pas vous énerver. Non, parler de Dukamé, parce que moi, si par exemple, qu'il y a même pas de lire là des propos de Dukamé, ça ne va pas me gêner. Parce que je sais que vous, votre culture, c'est ton frère d'abord avant tout. Mais ce qui nous gêne, nous d'autres, quand même Josiane Ndoua qui est là, c'est parce que vous utilisez ce. Donc, c'est-à-dire ce gars. Pour vivre sa vie tranquille dans les réseaux sociaux, il nous insulte comme les moins que rien. Donc, il a la liberté de nous insulter sans problème. Et toi, la machine, tu viens quand même prouver qu'il a le droit de dire ce qu'il pense. Parce que ça vous arrange. Parce que ça vous arrange. Il a raison, c'était quoi, Angéline? Dis-nous un peu la raison, mamie. Dis-nous un peu la raison. Dis-nous la raison. Moi, j'aime bien des trucs comme ça. Dis-nous un peu la raison. Angéline a dit que si c'est nous qui avons commencé, elle veut dire qu'il y a une raison. Bonjour, ma grande soeur Bissot. Mais Angéline, dis-nous la raison. Tu as dit que si les Bamekois ont commencé à nous insulter comme ça, veut dire qu'il y a une raison. Dis-nous. Peut-être nous, on est comme ça, les réseaux sociaux. Peut-être on ne connaît pas les raisons. Et puis, on vous invite. Comment on appelle ça? On dit que oh, vous nous insultez. Non, peut-être il y a une raison que nous, on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a une raison que nous, on ne connaît pas. Dis-nous la raison. Dis-nous la raison qui vous a poussé à commencer à nous insulter comme ça. Dis-nous la raison. Parce que, dis-nous la raison. Et la machine, toi qui dis merci beaucoup, dis-nous la raison, puisque tu es d'accord de ces propos. Dis-nous la raison qui a fait à ce que vous commencez à nous insulter. Moi, je sais que la seule raison qui vous a permis de nous commencer à nous insulter, c'est parce que nous tous, on n'a pas suivi le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que les Bamekois ont commencé à nous insulter. Mais on ne peut pas, moi particulièrement, je ne peux pas le suivre. Pourquoi? Parce qu'il vient du régime de Paul Biya. Et sachant que le gouvernement au Cameroun n'a rien fait, ça va passer autant à nous piller notre argent. Donc je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le... Moi, c'est le seul truc qui a fait que je ne pouvais pas le supporter. Parce que quand on dit qu'on veut le changement, on veut vraiment le changement. On ne peut pas quitter de l'arbre à la branche. Non. On ne peut pas quitter de la racine à la branche, sachant que c'est l'arbre qui contient tout ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de manipuler les gens, dis donc. C'est ça qui m'énerve. Après, quand ils boument là, vous dites que je boume là. C'est ça qui m'énerve. Le seul problème que vous avez commencé à nous insulter, c'est parce que beaucoup n'ont pas... Beaucoup ont préféré rester avec Paul Biya. Beaucoup ont commencé à... Comment on appelle? Beaucoup ont commencé à rester... Et moi, ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est que vous avez commencé à insulter Cabral alors que Cabral ne vous a rien fait. Vous avez commencé à insulter Kaba Libé alors que Kaba Libé ne vous a rien fait. À l'époque, je ne connaissais même pas qu'il était bassin. C'est vous qui m'avez poussé à aller regarder Google. Il est doux. Vous avez commencé à l'insulter. Pourquoi? Parce que vous avez préparé le professeur Maurice Kamto. Parce que vous voulez le mettre déjà dans la danse. C'est pour ça que vous avez commencé à insulter tout le monde. Qu'est-ce que vous racontez? Angéline, ta langue est perdue. Tu ne viens plus écrire puisque tu as trop à dire. On n'entend plus. Et Angéline, tu ne dis plus rien. Ou bien c'est comme ça que vous venez vous pondez les injures, vous fuyez, vous venez vous pondez un truc, vous partez, débattre dessus. Non. On ne comprend plus. Mais si toi c'est abeille. Laisse ça la machine, ça c'est de la mauvaise foi. Tu as de mauvaise foi, frère. Tu as de mauvaise foi. Tu as de mauvaise foi. Pourquoi depuis les années qu'on vit au Cameroun, on ne s'est pas attaqué à vous? Comme subitement, en 2018, on a commencé à s'attaquer à vous. Tu as de mauvaise foi. Et tout ce qui soit de mauvaise foi comme ça, meurt toujours très malheureux. Vous mourrez très, très malheureux.
Oui, parce que rien n'est plus beau de mourir quand tu es entouré avec tous tes frères du Cameroun. C'est très très, c'est très très, c'est très très. Mais c'est vrai, Josiane. Celui qui a ramené, il nous a séparés. Il nous a séparés. Tu relèves qu'elle fait. Tu es là caché derrière ton faux profil. Dès qu'on va te dire, même un bon débat qu'on va te croiser, tu seras incapable de débattre. Parce que tu n'as pas les arguments. Les arguments que tu prends là, c'est les arguments que tu prends dans le tas de tes frères. Tu viens prendre ça. Est-ce que tu relèves qu'elle, tu révèles qu'elle fait? Avant 2018, est-ce qu'il y avait ces injures? Il n'y avait pas ces injures. Pourquoi ces injures commencent depuis 2018? Parce que le professeur Moïse Kamto est venu dire que, oh, il faut être concours, il faut être ça. C'est lui qui a ramené, c'est lui qui a ramené. Il y avait déjà le tribalisme, c'est pas lui qui a ramené le tribalisme. Mais c'est lui qui a renforcé. Ah oui. Parce qu'il y avait le tribalisme au Cameroun, mais c'était dans le respect. Mais le tribalisme d'aujourd'hui, c'est dans le dénigrement à outrance. Et ça, c'est pas gentil. Alors, vous voulez que nous, on mette les gants pour répliquer? Jamais. Depuis qu'on m'avait caricaturé, insulté, envoyé même les trucs dans mon église, je n'ai plus aucun respect pour vous. Je n'ai plus aucun respect pour vous. Ah oui. Ça prouve combien de fois vous êtes des haineux. Attends, qu'est-ce qui fait rire Angéline ici? Parce qu'elle, quand elle vient se mettre pour un truc, elle part. Ah oui. Angéline, j'attends toujours, hein. Le début de ce qui a fait que les autres ont commencé à vous insulter. J'attends toujours. Angéline. Angéline Goethe. J'attends toujours. J'attends ce qui fait à ce que les autres ont commencé à vous insulter. Moi, j'attends toujours. Moi, j'attends toujours. Parce que c'est des Ducamais avec son pied en ressort. Tellement les Américains sont riches. Les Américains ne pouvaient pas te donner un visa du Cameroun pour la France. Que tu étais allé faire Boza, comment on appelle ça? Ou c'est Algérie, tu montes au Maroc. Même payer un réseau au Maroc t'a dépassé. Tu passes sauter la barrière. Ton pied reste à la barrière. On te met le ressort. Tu commences à sauter comme les robots qu'on voit là. Et tu viens t'asseoir sur Facebook pour parler. Les Américains sont tellement riches que tout le Cameroun. Pourquoi ils t'ont pas donné un visa direct? Au point où tu allais laisser ton pied à la barrière de Gorogo en Espagne. Saletologue. Non, sérieux. Jusqu'à j'attends même d'autres sales choses de parler que, oh, on t'a connu à cause des ports de l'île. Oh, on t'a connu à cause des compresseurs. Comme si quand il y a les vrais débats, même les deux là peuvent parler dans les réseaux sociaux. S'il y a vraiment les vrais débats intellectuels, les deux là peuvent parler. Elles ont les arguments. Elles savent même d'abord aligner les mots. Elles savent faire même d'abord complément objet direct, complément objet indirect. Celle-là, les deux là, à part de dire que, oh, elle a pilé l'autre, oh, elle a léché l'autre. Elles peuvent parler. Hein? La preuve en est, quand je parle même des deux filles, il n'y a personne. Mais si je commence à parler des faits de société camerounaise ou bien de la politique là, il y aura des vrais gens. Il y aura des intellos. Toujours en train de vouloir s'accaparer. Tout c'est pour vous, les autres n'ont jamais rien. Bientôt vous allez dire que même l'habit, si là, c'est votre habit. On va d'abord prendre quelque chose, mais Yuma York. Un jour, moi j'étais allé voir l'association où ils lèchent le cul là, la NGPO où ils lèchent les bottes. Hein?
Hein? Une tapette. Bindo, le jour que tu vas sortir une fille comme moi, viens, on parle. Viens, on parle. Un gars, un benguis qui mange la nourriture par terre. Maman, vas-y. Aka, laisse ça, Angéline. Laisse-nous les petits mots de manipulation là quand vous avez vos discounts. Vous avez au discount entre vous là-bas. Ah bon, hein? Depuis tout à l'heure, tu ne fais que supporter. Tu ne fais que supporter ton côté. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi ça? Pardon. Avec vos discounts. Quand vous, tu dis vous, c'est les qui? Puisque vous dites que les non-bamlékés ne sont pas les bamlékés. Quand tu dis donc vous, là, c'est les qui? On ne va pas faire les discounts entre nous et maintenant accrocher ça sur vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous qui nous insultez, que c'est les gens qui portent vos noms. Le vous là, c'est mis pour qui? Mamou? Oui? Tu as fini? Oui. Non, t'as pas encore fini, Mamou. Tu dis que ok, ben t'as lavé. Non, quel Facebook m'a lavé? Facebook m'a. Facebook peut me laver. Maman. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas, je te dis. Maman. Bois un peu. Maman. Bois un peu. Il n'y a pas bon un peu. Voilà. La peste. Il n'y a pas. La peste. Je ne suis pas blogueuse ni influenceuse mbrakata. C'est Paul Deli qui est blogueuse, influenceuse mbrakata. Tellement elle ne connaît même pas parler français qu'elle dit mbrakata. C'est quel mot français? On ne dit pas mbrakata, on dit bracadabres. Mbrakata, c'est quoi? Passons le temps à déformer les mots français et vouloir faire croire que oui, c'est le mot français. Je ne suis pas blogueuse ni influenceuse. Vous ne voyez pas les influenceuses au Cameroun? Elles sont en jet privé tout le temps. Elles sont devenues toutes brunes. Vous ne les voyez pas? Je ne suis pas blogueuse, influenceuse. Je suis lanceuse d'alerte. Je n'influence personne. Et je n'ai pas d'archives mais mis quelque part où je vais dire que voilà le blog, que je fais les recherches, machin. Je n'ai rien de tout ça. Donc ne venons pas souvent parler sur la toile parce qu'on voit les gens utiliser les mots. Et bracada, braca, où c'est qu'on a? Bracata, c'est aucun mot français. Peut-être c'est un mot bamléqué. Ça se dit bracadabres. Les idées bracadabres veut dire les idées sans sens. Dépourvues de tous les sens, tout ce que tu peux sortir de ta bouche. Donc, ça n'existe nulle part que blogueur bracadabra. Nulle part. Voilà. Non, ne soyez pas seulement dans les teams. Parce que quand une fille, parce que la majorité des filles, des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des lesbiennes. La majorité. Parce que quand les filles, là, elles s'asseyent comme ça, elles montent la poitrine, vous jouissez seulement à les suivants. Vous jouissez. Oui, au point où, tellement vous, c'est-à-dire. Vos neurones n'essaient même pas de réfléchir ce qu'elles sortent de leur bouche. Parce que vos yeux sont souvent focalisés sur les seins. Et vous pensez à comment après vous allez vous masturber en passant à elles. Puisque vous croyez que ce qui sort de leur bouche, c'est la réalité de la vie. Ce n'est pas la réalité.
Ce n'est pas la réalité. Vous passez autant à insulter les personnes stables, moralement, physiquement et financièrement. Vous passez autant à les insulter de vos liens. Alors que les personnes que, c'est-à-dire, vos idoles sont les plus vauriennes des réseaux sociaux. Mais c'est elles que vous prenez comme des exemples pour les personnes, c'est-à-dire, à moralité noble. Parce que les personnes, quand vous dites, oh, machin, les gardiens là-bas, elles sont incapables même de payer où elles dorment. Si tu n'as pas où, c'est-à-dire, est-ce que tu peux vivre en Europe, dans l'Europe, si là, avec le foie de l'Europe, si là, tu peux jouer à ne pas payer un loyer. Et encore, tu as des gens sous couvert. Parce que même Port de Lille, là, j'ai vu l'autre jour, Nathalie Baba a publié son couloir de salon. Son couloir de salon. Son nouveau salon est comme ma cuisine que vous voyez là. À Paris là-bas, c'est son couloir, son nouveau salon. Elle veut dire, elle a changé encore de maison. Elle ne paye pas la maison. Le peu d'argent, au lieu de donner, en plus, en province, un petit studio comme ça, c'est rien. Elle a la paix, puisqu'elle ne travaille pas. Donc, elle dit qu'elle va payer ça à 25 euros. Un petit studio comme ça, mais malgré ça, elle est incapable de durer dans une maison. Maintenant, elle nous parachute comme quoi elle est en train de construire. Construire quoi, maman? Où est l'immeuble Flore que tu nous montrais avant, en 2013, là? L'État a pris ça, parce que tout pour vous, maintenant, c'est que Paul Biya a pris. Paul Biya aussi pris. Ah, laisse ça. Oui, non, c'est vrai quand même. Les plus riches de ce monde ne savent ni lire ni écrire comme Papa Fosso Victor. C'est vrai quand même. Plus qu'il vendait que les arachides, lui. Mais il était riche comme tout. C'est vrai, tu as raison, la machine. Tu as raison. Les plus riches de ce monde ne savent ni lire ni écrire. Et l'un des très riches du Cameroun, c'était le défunt Papa Fosso Victor. Il ne savait ni lire ni écrire, puisqu'il vendait que lui les arachides. Mais il était millionnaire. C'est vrai, tu as raison. La machine. Aubaine raison, tu as raison. Je confirme. Papa Kaji de Fosso, on ne nous a jamais dit jusqu'à quel niveau il a fait les études. Mais il a beaucoup d'argent au Cameroun. On avait dit qu'il ne sait pas lire ni écrire. Il a raison. Tu as raison, la machine. Tu as raison. Kifirou, je n'ai jamais entendu son niveau scolaire. Aucun de ses amis scolaires de l'école est venu dire qu'on a fréquenté ensemble depuis qu'on est dans les réseaux sociaux. Pourtant, il s'en sort très bien au Cameroun. Tu as raison. Willy Macan, bonjour. Tu as raison. Parce que quand je regarde les Richards là, du Cameroun de l'Ouest, là, on n'a jamais entendu les cursus scolaires. Quand on parle de Paul Biya, il a fait la Sorbonne à Paris. Il était enfant de cœur parce qu'il suivait le catéchisme pour être prêtre. Mais pourtant, il est pauvre au Cameroun. C'est vrai que tous ceux qui ne connaissent pas les lignes écrites, c'est eux les plus riches. Tu as raison. Tu as vu dans la réflexion. Imagine les personnes tournent la réflexion à votre sens. Ce sera nul et sans effet. Parce que regarde le raisonnement que tu sors. Les plus riches ne savent jamais lire ni écrire. Mais regarde alors tous les noms. Est-ce que tu aimerais qu'on dise que tous ces noms ne connaissent ni lire ni écrire? Pourtant, ils sont considérés comme les riches du Cameroun. Congèle qu'on n'a jamais mis son nom dans quel niveau scolaire. Mais pourtant, il s'en sort bien au Cameroun. Tu as raison. Il n'est pas riche. La machine, tu as raison, il n'est pas riche. Parce qu'il était à l'école. Il connaît les lois. Il connaît ce qui peut frapper.
s'il abuse. C'est pour ça qu'il n'est pas riche. Les autres, comme ils ne connaissent ni ligne ni écrit, ils ne connaissent pas analyser une loi et la comprendre. C'est pour ça qu'il se permet de voler à bas 350 milliards, un seul voleur. À Dama, dans une république, on peut faire ça. On peut faire ça dans une république. Toi, c'est le père Lebou. 350 milliards, Zambo Waman. Pas bon, on a là. On peut faire ça. La terre, si est vraiment sale. À partir d'aujourd'hui, je double les chaussettes et les chaussures pour marcher sur la terre. Parce que c'est très sale. C'est vraiment très sale. C'est très sale. La machine, pas tout, tu as raison. Papo ne peut pas être riche. C'est un vieux qui allait tout aller faire les études, dis donc. C'est un vieux qui allait à la Sorbonne. C'est un vieux qui a trop fréquenté, il a peur des lois. Il s'est les retombeurs d'un vol excessif et abusif. Il peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il est, lettré. C'est un lettré plein. Oui. Son science pro, il n'a pas pris derrière la société de fabrication de frelatés, de diplômes derrière la maison. Non! C'est dans les archives des années à la Sorbonne. Oui. Donc, son doctorat n'est pas un doctorat à douter. Son doctorat est certifié. Sûr, pur et mire. Les autres Cameroun se permettent de voler parce que... Vous voyez, tous ceux qui sont allés à l'école, ils sont en prison. Parce que malgré qu'ils connaissaient la loi et les retombées de la loi, ils ont d'abord fait que « Oh, arrivé sauf que prendre. » Parce qu'il y avait l'un de ses amis, il était qui lui disait « Ah, Calès, ils vont jamais savoir. » Au lieu de suivre les études qu'il allait faire, il a voulu suivre le lien de l'amitié. Abracadabres, pambracata. Parce que, vous savez, à force de faire les codes, de parler en code dans la vente du piment, pour que le client n'écoute pas ce que vous causez, on prend souvent ça, on adopte pour un français courant de la vie de tous les jours. Alors que c'est un truc qui sort hors du commun. Abracadabra, Seigneur. On peut être inculque jusqu'à ce niveau. Tu as entendu, non? La machine. Tu n'as plus rien à dire. Hé, monsieur Tonien, là, mon frère. Mon frère Boubankani. Là, mon frère Mboye. Quand tu me guettes, là, tu aimes toujours te saluer. Avant que tu me salues. Vous, là, hein, je vous vois venir. Boti Congo, ça vous aimez trop le Congo, ça. Hein? Vous allez toujours cacher derrière les faux profils. Après, prendre les publications des gens. Allez mettre avec les titres bizarres. Oh, père de lui, c'est encore fini tel. Ça vous ramène même quoi, cette haine et cette méchanceté? Boti Congo, ça, TGV. Ça vous ramène quoi? Quelle sagesse? Donc, tu veux dire que c'est la sagesse qui a fait. Donc, tu veux dire que c'est la sagesse qui a fait les pères là. Pas Koufir, Kifiru, pas Foku, pas Fotso, pas Kadji. Donc c'est la sagesse du village qui les a rendus riches. Seigneur. Et ma tante Willa n'est pas riche depuis longtemps, avec toute la sagesse là. Puisqu'elle n'a pas appris à aller au champ, à l'école. Elle n'a pas appris la route du champ. Sur les règles, les compas et les traceuses. Elle a appris ça par cœur, donc ça veut dire qu'elle est sage. Mais depuis, elle n'est pas riche. Vous faites que pour vous, là, comment? Vous faites que pour vous, là, comment? Je te laisse boutir, Congo, ça, mais il te tape quand même sec. Parce que vous dérangez aussi, toi, Lundia Papa. Vous connaissez souvent traduit les titres de ça. Quand tu vois le titre, non. Tu sais seulement que là-bas, non, personne n'est resté vivant. Va écouter alors le direct. Ça n'a rien à voir avec le titre.
Il y a trois. Ça, c'est les histoires qui attisent la haine. Ça, c'est les trucs qui attisent la haine. Tu comprends, non, la machine. Vos sagesses, là, ça me dépasse. Mais Papa Paul Biya est très, il est très intellectuel et sage en même temps. Parce que garder le pouvoir 40 ans, ce n'est pas le qui veut. C'est le qui peut. On a vu ici, là, en notre chère France. Il y a aussi un qui suit Paul Biya la loupe. Et qui a beaucoup, je donne beaucoup de bravo. C'est Emmanuel Macron. Macron, c'est Paul Biya en miniature. Parce que tu ne peux pas être insulté comme ça dans un pays. Dénigré d'une force comme ça dans un pays pendant 4 ans. Et après, tu fais un deuxième mandat. Le petit Paul Biya, c'est Macron. Macron, c'est petit Paul Biya. Ouais, et Chris, c'est ça. On sort toujours le parcours, on sort toujours le cursus scolaire des milliardaires à l'Occident. On sort la recomposition familiale. On sort les attaches ancestrales pour pouvoir trouver d'où vient sa richesse. Et si on trouvait que dans la famille, il n'y a pas eu de richesse, on essaie d'approfondir dans le domaine où l'a mené et il va expliquer avec clarté. Mais notre part là, les immeubles, on te dit souvent que c'est l'eau glacée qu'on a vendue toute. Seigneur, et quand j'étais petit, je croyais à ça jusqu'à. Je faisais souvent l'eau glacée, je mets comme ça là. Donc vous savez qu'on écrit souvent sur les barrières là que l'eau glacée vend ici. J'écrivais souvent que l'eau glacée vend ici parce que j'avais espoir. Que si je vends mon eau glacée comme ça, je serais très milliardaire. Mais hélas, l'eau glacée m'a montré que je ne serais jamais milliardaire. J'ai mon ami là-bas à Carrefour, Dali Padoua là. Depuis que je suis tout petit, j'allais encore à l'école. Il vendait l'eau glacée. L'autre jour, il a dit que tu es toujours certain qu'il vendait l'eau glacée. Les mains ont déjà fait comme si ça pourrit. Parce qu'il n'a pas encore le million ou le milliard. Mais c'est la même France qui. C'est la même France, n'est-ce pas? C'est la même France que vous allez crier que M. Macron. M. Macron peut bien nous tuer. Comment ça? N'est-ce pas? Vous avez un meilleur président. Donnez aussi ça à la France, non? Vous connaissez seulement avoir les badges pour aller entrer dans les meetings. Prenons aussi le même courage, ramenez pas quand te mettez le même dans un sac. Vous le ramenez à vous dire que non, enlevez-nous Paul Biya, comme vous appelez, vous mettez pas comme tout. Parce que lui, c'est un vrai, c'est un digne, c'est un noble. Seigneur, j'imagine étourdi avec pas comme tout dedans. Seigneur, tous les motards présidentiels vont devenir que les Bensikin. Dieu, la promenade là qui est là, avec les palmiers jusqu'à étourdi. Maman, il y aura tous les comptoirs là-bas de tomates et autres. Non, il y a des gens qu'il ne faut pas envoyer au prix à la présidence père. L'esprit de commerce, vous savez, ça n'a pas de limite. L'esprit de commerce n'a pas de limite. Seigneur, au lieu qu'on soit représenté avec le vert ou le jaune, je sais que notre emblème national sera le ndop. Notre emblème national sera le ndop. Même le micro ou le chef d'État va faire le discours. Ils vont imprimer ça en dope. Non. Trop de communautarisme, là, ça va tuer la patrie. On dit la patrie d'abord. Vous n'entendez pas. La patrie d'abord. Mais d'un côté, quand même, on est d'abord tribu avant d'être patrie. L'échelon de la vie. Ça, c'est le thème des gens qui veulent manger nos choses en faisant dire que c'est là la patrie. Normalement, qu'un être humain naît, c'est d'abord famille, après famille, tribu. Après tribu, patrie. On ne peut pas sauter la famille, on saute la tribu, on peut tomber la patrie. Ça, c'est le vol. Frère, ça, c'est la narque. Ça, c'est la narque. Seigneur. Maman, à l'entrée, là, quand il va sur un Brenda Biya, elle était dans la voiture, là. Elle nous montre la promenade. Non, les réseaux sociaux nous ont quand même bien fait. Nous montrer vraiment, quand Brenda Biya nous montre la promenade jusqu'à Étourdi.
Je sais qu'à la sortie là-bas, au fin fond, nos frères Mbouda vont venir déposer là au peuple là. Kololoun, Kololoun, Mokolo, Mokolo, 200. Mokolo, 200. Ils vont nous mettre les connexions des taxis partout. Non. Il y a des gens qui doivent parler à Itoudi. Vrai. Non, 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 non. Je vois déjà Saint-Jean-Jean. Déjà, si les Boukaro qu'il y a là-bas et tout dit, je sais que la majorité seront les foyers. Foyer Banjoun, foyer Baganté, foyer Bafang, foyer Baham. Non, Baham, le Baham, lui, il aura même carrément un Boukaro. Puisque c'est le président qui sera dedans. Boukaro, Baham. C'est trop. Ouais. Mais c'est normal, non, la douce. La douce à Théba, il faut qu'on l'enterre avec son téléphone. C'est normal. Parce que dans le téléphone, là, tu peux avoir les livrets en gros de poudre d'arachide. Comment tu vas avoir ces livrets? Tu peux avoir les livrets en gros d'arachide. On doit l'enterrer avec ça. Non, pourquoi tu vas avoir la fortune d'arachide? C'est pas bien. C'est pas bien. Un Bamileke, c'est au pays que j'avais sorti. J'avais mon gars Bamileke que j'aimais beaucoup. On était collègues en plus. J'aimais beaucoup mon gars Bamileke là. Non, c'est pas celui-là. J'avais un. Non, l'autre là, c'est lui qui m'aimait plutôt beaucoup. Mais après, il allait me vendre aux femmes là, Dieu merci. Il y a les sangs qu'on ne mange pas. Lui-même, il est parti. Un jeune gars, 33 ans. Beau gosse, un gars baganté. Les doigts, quand tu mettais les doigts comme ça, tu pouvais sucer les doigts là. Très beau. Mais quand même, j'ai eu un amour, hein. Mon collègue en plus, un gars bamiléqué. À l'époque, on nous appelait le couple présidentiel. Parce que quand on vient avec notre Mercedes, là, tu ne nous pouvais pas. Quand il y avait les matchs là, notre entreprise avait les autres entreprises là. On vient avec la Mercedes, le couple présidentiel. Oui, j'ai vécu l'histoire de Tonton Moutla que vous voyez. J'ai vécu ça au Cameroun. Hein. Ah. Et parce que vous savez, quand on commence à faire les enfants et qu'on est sérieuse, et qu'on mange le soir à table avec les enfants, si tu es un sangra, tu prends le poids. Et tu dors à l'heure avec les enfants, tu les réveilles le matin. Donc, c'est ça. Oui, mais mon gars Bamileke là que j'aimais, non, c'était avant, c'est le truc qui était encore petite là. Non, ça n'a rien à voir la machine. Ici à Mbengue, je n'ai jamais eu de gars Bamileke. Je n'ai jamais rien à voir, au contraire. Je vous aimais beaucoup, mais vous m'avez beaucoup déçu. Je croyais que les erreurs que les parents faisaient avant de séparation ethnique, du tribalisme, parce que j'avais eu beaucoup dans ma vie, toujours eu beaucoup d'amis Bamileke qui me disaient souvent, les Bamileke d'avant, les Bamileke d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Les gens qui sont là, s'il y avait ceux dans votre entourage qui vous disaient souvent, ça pouvait écrire. Mes amis m'ont toujours dit que les Bamileke d'avant, les Bamileke d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui que vous avez évolué en mentalité, qu'aujourd'hui vous savez faire la part des choses entre la tribu et le reste. Mais en 2018, j'ai vu que vous n'avez même pas évolué d'un centime. Au contraire, vous êtes encore rentré même plus que les anciens, parce que les anciens, eux, malgré qu'ils avaient le tribalisme, mais ils avaient des limites aux injures. Mais vous, votre tribalisme plus des injures en plus, c'est ça en vérité. Mais sinon, il y a eu un soutien bamiléquin. Hein. J'ai acheté un bamiléquin très beau. Moi, j'aime les belles choses. Hein. Et je ne sais pas les bamiléquins qui ont le gros ventre, là, après ça pue la sueur. Là. Non. Ça, les vrais. Les... Donc, quand tu passes comme ça, chacun regarde. C'est pour ça que moi, je ne ménage jamais tous les bamiléquins dans mes injures. Mais j'insulte ceux qui sont ici. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gars, comment on appelle les gars bamiléquins, quand on a toujours fait les choses ensemble, sont toujours dans le respect à mon égard. Du Cambindo, du Camerde. Tu dis que la NGP ne veut plus de moi. Demande à Benzinga.
Tous les jours, quand on se cause avec Benzia, Benzia me dit que père, elle revient, personne n'est chassé. C'est toi qui ne veux pas revenir depuis. Et elle dit que Benzia, vous m'avez chassé avec le tribalisme. Oui, c'est le tribalisme qui m'a chassé là-bas. Ils m'ont chassé avec le tribalisme. Comme quoi je ne peux pas parler des Bamleke, j'ai resté dans l'association des Bamleke. Ah oui? Donc tu comprends? Elle dit à Benzia que je ne peux pas revenir, maman. Mais du camé, elle a pour avoir les étoiles, les vues, quel genre de vue même. Avec 100 000 abonnés, tu as tout 20 personnes qui te regardent en direct. Quel genre de vue. Maintenant, tu peux apprendre les gars de la base pour faire les débats. Toi, tu vois les mourmis, mon frère. Tu vois des personnes qui ont mangé le cerveau avec le mensonge et le manque de rite. Tu crois que tu peux les ramener à la raison. Les gars de la base ne peuvent jamais revenir à la raison. Parce que c'est quand on dit souvent que Mouraouaou, quand quelqu'un sait qu'il n'a plus rien à gagner, il peut faire. C'est un peu comme les chefs bandits des films là. Et c'est que s'il dit Kona, l'acteur va tirer sur lui. Mais quand même, il arrive à dire Kona, il crache sur l'acteur, après il meurt. Mais c'est ce que les gars, là, tu crois que tu peux ramener qui a la raison. La seule personne que tu peux ramener à la raison, c'est toi-même du camé. C'est toi-même du camé, ramène-toi à la raison. J'ai pas compris ta question. Tes quatre sœurs ont épousé les quatre bassins. C'est devenu quoi? C'est pas une question. Développe, c'est comment on appelle? Développe un peu ta question pour que je puisse l'entendre. Ils sont devenus quoi? C'est qu'elles sont qu'elles ne seront jamais les bassins. Ils sont devenus quoi? C'est qu'elles sont qu'elles vont, comment on appelle? Elles vont vivre comme elles ont l'habitude de vivre. Elles sont devenues quoi? Claire? Je ne les connais pas. Donc développe, quand vous posez les questions comme des gens quand même qui sont allés même à la maternelle, même à la CIL, même à l'école primaire. Posez bien la question, ne soyez pas pressé d'écrire parce qu'il faut qu'on vous entende. Hein? Moi-même, mon oncle est marié là. Moi-même, mon oncle est marié avec la fille de Sukunju. Hein? Alors, quand vous parlez, il faut bien pour qu'on puisse vous lire pour pouvoir échanger avec vous. Ou c'est tous les arachides là que vous vendez qui vous empêchent de parler comme ça? En tout cas, la machine m'a dit que tous ceux qui sont riches ne sont pas intelligents, ne savent ni écrire ni lire. Moi, c'est la seule chose que j'ai retenue dans ce direct. La machine, moi, j'ai retenu partout. C'est quoi que vous regardez un film d'horreur? Oui. Tu mens. Je suis ça et ma soeur. Doudou Mouen, Loulouse, Cancel, comment ça va? Ça va bien? Ah oui, j'imagine et tout dit. Seigneur. Tous les ministres là vont devenir chef de village, chef de canton, chef de village, chef de canton. Seigneur. Au lieu d'appeler le président, que monsieur le président va commencer à dire que sa majesté. On va commencer à dire que la majesté. Sa majesté. Au lieu que la police commence à saluer le président comme ça là. Ils vont commencer à saluer comme ça. Non, Serge, déjà tu vas du coq à l'âne. Là, tu as dévisagé carrément la conversation. Ok, Doudou, ça va. Là, tu as dévisagé carrément la conversation. On n'a pas dit les études. Le mignon, comment on appelle partout, la machine a dit. Ah, Guadeloupe, vive la Guadeloupe. Écalé. Marie Galant. Nous calé. C'est pas fini. Et papa. Donc, c'est pas ce qu'on disait. On disait que la machine a dit que tous les riches de ce monde ne savent pas lire. Non, que les riches ne savent généralement pas lire et écrire.
Parce que quand tu fais les études, ne serait-ce que l'école primaire, c'est déjà les études. Non, là, c'est deux choses, mon cher. Là, c'est deux choses. Si tu décides de voler, le départ. T'as d'abord, il va un peu. Ah oui. Donc imaginez, Seigneur. Non. Donc on entend regarder le film d'horreur. Je m'en vais voir le film d'horreur. Je vous dis à bientôt. Non, je suis pas fatigué. Donc ma chère sœur qui est au Cameroun. Quand on fait du répondant, on ne fait pas le répondant, du répondant comme compresseur qui ne comprend rien et vient s'en prendre parce qu'on lui a dit. Et quand tu mets le direct pour écouter comme tu as écouté hier, écoute le sens du direct, écoute jusqu'à la fin, essaie d'analyser, ça sert l'école. Ce n'est pas les grandes études qui servent l'école. Ça sert l'école pour pouvoir apprendre certaines connaissances à d'autres personnes. Mais l'école en vérité sert à lire et à écrire. À comprendre, c'est tout, la base quoi. Donc ma soeur du Cameroun, ma chérie, tu n'es pas encore en Europe. Que cela ne t'énerve pas qu'on dise que tu es au Cameroun. Si tu es au Cameroun, je dirais toujours que ma soeur du Cameroun, le jour que je vais t'appeler par ton prénom, je t'appelle pas ton prénom. Le jour que je vais t'appeler par la soeur du Cameroun, je t'appelle pas la soeur du Cameroun. Et ça va pas bouillir comme ton métier dit. Ça ne boue pas. Ça ne boue pas. Ça a été dit que quand elle est venue là-bas au pays, elle est venue au marché pour payer pour toi. Elle vient te faire la recette. Mais ne me mets pas un truc à me brûler les doigts hein, pour pouvoir dire à la reine des porcs que oh, je l'ai eu. Elle vient au marché pour payer pour toi. Elle vient te faire la recette. C'est pas grave. Et bientôt, tu seras même ma belle-sœur. Bon. Je vous laisse, non? À bientôt, non? Joe, viens préparer. Vous préparez quoi, le couscous? Non, moi, je ne prépare pas ici. Hein. Vous avez dit que ma nourriture n'a pas le sel. Moi, je ne vais pas me préparer ici. Là. Moi, je ne mange pas le sel. Donc, vous préparez votre nourriture. Elle ne mange pas le sel. Celui qui veut le sel, rajoute le sel dans son repas. Bon. I love us. I love todos. Un beso. Tu ne vas pas sortir ici, maman. Toi, il est mort aujourd'hui.